J'espère que vous avez bien dansé et que vous avez pris votre collègue de bureau pour danser sur cette chanson de Julio Iglesias qui rend hommage aux femmes. Florence Sueur, bienvenue au bar de l'économie si vous venez tout juste de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous saluons toutes les femmes et nous parlons également séparatisme, électricité et fidélité aux consommateurs grâce à mes invités du jour qui sont Jessica Nguyen Hoang pour FlipTech SA, Pierre Perrault pour la SICAE VS en Val d'Oise et Guillaume Buitet, député du Val d'Oise, avec qui nous allons tout de suite aborder le sujet très important de la loi séparatisme, sujet dont vous étiez rapporteur pour l'Assemblée nationale, monsieur le député. Alors, pas vraiment, j'étais le responsable, ce qu'on appelle le WIP, c'est-à-dire le responsable pour la majorité pour le groupe majoritaire de ce texte. C'est mon collègue Florent Boudier, député de la Gironde, qui était rapporteur général. Il y avait différents rapporteurs thématiques et on a fait un travail, en effet, qui était extrêmement intéressant et je pense que l'ensemble des participants, quel que soit leur groupe, ont jugé que c'était un travail vraiment de qualité et qui pouvait faire avancer les choses. Alors parlons des points forts de ce rapport. Quels sont-ils? Alors quels sont les points forts de cette loi? C'est une loi qui est là, alors qui ne vise pas une religion en particulier, qui ne vise pas une population en particulier, qui vise simplement à faire en sorte que toutes les personnes dans ce pays puissent vivre tranquillement leur foi au nom du principe de la laïcité qui suppose deux choses. D'une part, il faut que les services publics soient neutres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de raison quand on va dans un service public quel qu'il soit, une mairie, une école, de devoir se dire que la personne qui est en face de soi a une religion particulière ou des opinions d'ailleurs particulières. Il n'y a pas que la religion qui entre en compte là-dedans. Donc un renforcement de la neutralité du service public qui s'étend maintenant aussi aux sous-traitants. Il y a eu des déviances. On m'a relaté des exemples de bus où le chauffeur s'arrêtait pour prier. C'est pas possible. Ça n'est plus possible et ce ne sera plus possible avec cette loi. Ce sera précisé en la matière. Et de l'autre, une protection aussi, c'est que bon, malheureusement, on a tous été marqués par la mort atroce de Samuel Paty, qui je vous rappelle, a lieu à Erani dans ma circonscription d'ailleurs. À côté, la jeune fille a annoncé hier soir. On a vu absolument qu'elle avait menti. Qu'elle avait menti. Donc incroyable. Tout ça rajoute une dose de sordide. Il est mort pour à cette rien, horreur. Le pauvre Samuel Paty. De toute façon, c'était atroce. Et quand bien même il y aurait eu ça, ça ne... Enfin bon, bref, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Et on se dote par cette loi d'un complément d'outils pour pouvoir protéger les fonctionnaires. Aussi bien des agressions dont ils peuvent faire l'objet que des campagnes sur Internet ou la mise en cause de leur identité pour pouvoir les repérer. Et donc tout ce qui fait la haine de la République au travers de ceux qui la défendent et de ceux qui la servent, c'est-à-dire les fonctionnaires de tout ordre. Et puis enfin, on est aussi dans une logique où on veut protéger l'exercice normal des religions. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles ne soient pas prises en otage par des extrémistes divers et variés, par des éléments radicalisés. Ça veut dire pouvoir fermer des lieux de culte quand ils sont justement pris en otage. Ça veut dire protéger les associations cultuelles. On est dans la loi 1905 qui protège la laïcité. Cette loi différencie les associations classiques, loi 1901, des associations cultuelles qui dépendent d'un autre statut et qui permettent l'exercice de la religion, avec des avantages fiscaux, mais aussi avec un mode de fonctionnement assez précis. Donc voilà, on protège davantage les associations, on fait en sorte qu'il y ait des financements plus clairs, entre autres en imposant qu'on sache quels sont les financements qui viennent de l'étranger. Qui concerne toutes les religions. On nous a reproché beaucoup d'avoir loupé la cible parce qu'on n'aurait pas voulu nommer une religion qui serait celle qui serait incriminée. Mais justement, nous faisons des lois générales qui touchent l'ensemble des Français, qui vont leur permettre d'être sereins dans l'exercice de leur religion. Et cette forme de banalité du comportement, c'est ça qui permettrait à mon sens une meilleure intégration. Donc voilà, on a une panoplie d'outils, c'est une boîte à outils assez large. On parle de la journée des femmes aujourd'hui, de la journée des droits internationaux des femmes. Il y a aussi tout un chapitre qui vont se consacrer à cela, en interdisant les certificats de virginité qui sont une humiliation permanente pour des jeunes filles. Enfin, alors on me dit, oui, mais pourquoi se dire que c'est les jeunes filles? Le jour où on montrera qu'il y a quelque chose qui s'attaque aux jeunes gens et que ce sont les jeunes hommes qui doivent prouver leur virginité, on en reparlera. Sur les problèmes d'héritage, où il y a des endroits où la fille est systématiquement défavorisée, donc on veut compenser cela. Les problèmes de mariage forcé, les problèmes... Donc on a un centre de
On a un certain nombre de dispositions qui, au nom de la dignité humaine et de l'égalité homme-femme, vont permettre d'avoir une avancée tout à fait significative en la matière. Donc, il y a une partie qui n'y est pas, je le dis maintenant parce que c'est aussi un reproche qui nous a été fait, le discours des Mureaux du octobre, qui est un discours fondateur du président de la République par rapport à tout ça, décrivait les causes du séparatisme et des effets du séparatisme de différentes façons, et fixait avec raison que la ségrégation sociale, que l'absence de mixité, que l'absence d'égalité était aussi parmi les causes du séparatisme. C'est exact. Mais ça, on le traitera à part, pas uniquement par la loi, parce que il y a des choses qui ne se traitent pas par la loi, mais il y aura des mesures qui vont arriver, il y en a des mesures qui ont commencé sur la rénovation urbaine, sur le logement, sur l'ingénierie de solutions, sur toute l'action qu'on mène sur les banlieues, pour faire en sorte que ce dernier pilier de lutte contre le séparatisme existe et soit bien vivant. Alors, vous avez parlé notamment d'interdiction du certificat de virginité, de contrôler, si je puis dire, les mariages forcés, mais comment va-t-on faire concrètement ? Concrètement, il y a dans la loi le fait que les officiers d'état civil puissent. Alors, juste un point quand même de méthode, nous avons voté la loi à l'Assemblée. Elle va partir par le Sénat qui va le modifier. Donc le texte que nous avons voté à l'Assemblée a une très large majorité. C'est un projet en fait. Ça reste un projet et donc il va être modifié. Et c'est bien normal qu'on ait ce travail en commun avec nos collègues sénateurs. Souvent on décrit ça comme étant un petit peu une forme de décorum, de tradition, sans errer les faits. Ce n'est pas vrai. Les deux assemblées travaillent, elles apportent, parfois elles ne sont pas d'accord. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à trouver un accord entre l'Assemblée et le Sénat par rapport à ce texte, qui témoignerait qu'on est dans une forme de consensus et qu'on veut essayer de trouver justement dans cette idée de renforcer le respect des principes de la République, qu'on soit dans cette idée d'avoir un accord entre nous. C'est un message fort qu'on adresserait à la société de dire, en effet, quelles que soient les forces politiques, nous sommes dans l'idée de travailler ensemble et de vivre ensemble. Donc pour revenir à votre question, ça veut dire qu'il va falloir former, et on a prévu des formations des agents de l'état civil pour pouvoir repérer, et on va prévoir le fait qu'il puisse y avoir des entretiens séparés, dès lors qu'il y a ce genre de doute, entre les deux futurs mariés pour détecter, ou plutôt, et de la meilleure façon, quand on a un très fort soupçon de mariage forcé, et derrière, écoutez, c'est la transmission à la justice, comme quand on est sur un mariage blanc, pour reprendre cette expression. Alors moi, il y a deux thèmes dont vous n'avez pas parlé, Guillaume Vuittet. Je rappelle que vous êtes député du Val-d'Oise et qu'on est là ensemble pour s'exprimer sur ce projet de loi séparatisme qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et qui part au Sénat. Moi, il y a deux thèmes quand même qui m'interpellent. C'est comment lutter contre le terrorisme et la cohésion nationale. Est-ce que là, vous avez prévu des mesures dans ce projet de loi ou est-ce que vous attendez que le Sénat fasse ses propositions ? Alors, en matière de lutte contre le terrorisme, d'une part, il y a une loi qui a déjà été votée. La loi SILT, qui a maintenant, je crois, pas loin de 2 ans, prévoit un arsenal assez conséquent de lutte contre le séparatisme. Il y a d'ores et déjà dans la loi des éléments qui permettent cette lutte, d'une part en restreignant les droits des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme de s'investir dans les associations et de les diriger. Il y a une partie, mais ceci dit, vous avez raison de me reprendre, parce que ce n'est pas une loi contre le terrorisme, encore une fois le travail est fait, mais par contre, c'est une loi qui vise à éviter le terreau du terrorisme. Il y a toute une partie qui concerne les associations, et qui demande aux associations qui touchent l'argent public de signer un contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire de dire que dans leur fonctionnement, elles obéissent aux principes de la République. On a le droit de faire une association, de ne pas être républicain dans ce pays. Mais toucher de l'argent public pour lutter contre la République, c'est pas possible, ça. Enfin, on marche sur la tête. Donc là-dessus, on a les outils pour faire en sorte que ceux qui toucheraient l'argent public sans respecter les principes de la République puissent être condamnés, puissent devoir rendre, entre autres, l'argent. C'est pas une figure de style théorique. Il y a des clubs de sport, en particulier, où on impose la prière avant de rentrer sur le stade, où on impose les douches habillées parce qu'au nom d'une vision de la pudeur, où on demande à ceux qui ne sont pas d'une religion dominante de cacher des signes religieux. Donc c'est pas théorique, c'est tout à fait pratique comme chose. Je pense qu'en la matière, on lutte contre le terreau du terrorisme et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas en effet ces radicalisations rampantes. Quand on parle de l'instruction en famille, qui est une autre disposition, qui est un autre aspect de cette loi, et qu'on veut le mieux le contrôler, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit un système où on demande une autorisation plutôt que de se déclarer, c'est parce qu'on a remarqué que par exemple à Bobigny, quand on a trouvé une cinquantaine de gamins tout petits
abrutis dans un hangar sans, avec des conditions d'hygiène et de sécurité lamentables. C'était des enfants qui avaient été retirés d'éducation nationale, donc la moitié était soi-disant, enfin, était théoriquement en instruction en famille. Il s'agit pas d'embêter les milliers de familles qui font ça tout à fait normalement, il n'y a pas de souci avec ça, mais simplement par un système un petit peu de contrôle avant, éviter en effet cette évaporation d'enfants, où il y a des... le maire du Mureau le disait au président de la République, il a des quartiers où il voit qu'il y a une vraie déséquilibre dans les écoles entre les petites filles et les petits garçons. Les petites filles sont retirées. Donc tout ça aussi, c'est retirer le terreau du terrorisme. Donc il y a des mesures qui sont très pratiques. La haine sur Internet, on a bien vu comment, encore une fois, la mort atroce de Samuel Paty a été provoquée aussi par un déferlement de haine sur Internet. L'imam le plus dangereux, il n'est pas dans une mosquée salafiste. L'imam le plus dangereux, il est sur Internet. Et il faut qu'on ait une attitude par rapport à ça de contre-influence, et qui passe par la loi, mais pas que, hein, il y aura d'autres choses à faire. Et puis, vous parliez de cohésion nationale. On en revient à une critique qui nous avait été faite, qui mérite d'être entendue, et puis elle a donné lieu à beaucoup de débats, donc c'est très bien de dire, en fait, vous embêtez tout le monde alors qu'on parle que de l'islamisme politique et de la radicalité islamiste. Je ne suis pas d'accord du tout avec cela. On parle de tout le monde. On parle de... toutes les pratiques religieuses, d'ailleurs, je pense qu'on découvrira qu'il y a deux, trois pratiques sectaires qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais qui sont sur d'autres religions. Mais surtout, on fait en sorte, et c'est l'objectif de cette loi, parce qu'elle réaffirme les principes, le respect des principes de la République, que toute personne, quelle que soit sa foi ou son absence de foi, ou son envie de changer de foi, de foi religieuse ou de foi philosophique, puisse vivre normalement dans ce pays. Que l'exercice de religion se fasse sans que ça pose de problème. Et c'est cette banalisation des choses qui fera en sorte qu'on aura une cohésion nationale plus forte. Certes, monsieur le député, mais quand on parle de cohésion nationale, on parle aussi respect de la nation, on est bien d'accord. Est-ce que là, vous avez parlé d'éducation, est-ce que là, au niveau de l'éducation et carrément donc des écoles, là, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Moi, je vois certains pays en Asie, eh bien, les enfants se lèvent quand le professeur arrive, le matin, disent quelque chose pour la nation. Bon, est-ce qu'on n'a pas des... En France, on faisait ça il y a très longtemps, il y a 100 ans. Pourquoi est-ce que, finalement, on ne remet pas des choses toutes simples de principe, de respect de la nation à l'école? Alors moi, je suis un... J'ai travaillé pour Jean-Pierre Chevènement et je suis très attaché à la République, au respect de la patrie. Tout n'est pas dans la loi. Tout ne peut pas être dans la loi, tout bêtement. Parce que, par exemple, se lever quand on entre dans une classe, c'est pas dans la loi. C'est dans des pratiques qui doivent être promues au niveau des écoles et des... collège et des lycées. Quand j'interviens... Il y a des règles qui doivent être écrites et qui doivent être ressenties comme étant quelque chose qui est obligatoire, et il y a des règles qui dépendent aussi du bon sens. Quand j'arrive dans un collège ou dans une école primaire pour expliquer mon rôle de député, et je le fais avec un énorme plaisir parce que c'est un rapport aux jeunes qui est extrêmement important, avec des questions toniques, hein, ils ont pas la langue dans leur poche, mais ils se lèvent à chaque fois quand j'arrive dans une classe. Donc j'imagine qu'ils se lèvent parce que aussi leur professeur, leur instituteur leur donne ces choses. Je crois que c'est des pratiques moins rares qu'on semble le dire. Il y a encore des règles qui existent dans ce pays, y compris des règles de bon sens qui ne passent pas par des obligations écrites. Mais par contre, je pense qu'en effet, le fait d'apprendre la Marseillaise, d'apprendre ce qu'est la nation, comment s'est créée notre République, le fait qu'il y ait des cours de morale et d'instruction civique me paraissent des éléments essentiels de notre vivre ensemble. Et il faut les renforcer dans la loi, parce que ça dépend du domaine de la loi. Nous avons inscrit un certain nombre de formations pour les enseignants, y compris d'ailleurs pour les agents publics. Quand je pense agents publics, je pense aussi, ça peut être aussi le personnel médical qui accueille dans les hôpitaux, dans les centres de soins, des personnes qui parfois peuvent être en situation d'urgence ou qui peuvent être simplement en situation de fragilité, parfois en colère. Il faut aussi les accompagner, ces personnels, leur donner de la formation nécessaire pour pouvoir gérer ces situations, tout en étant respectueux en effet et défenseur dans les faits des principes qui nous font vivre ensemble.
Donc nous verrons les propositions du Sénat, monsieur le député, et puis absolument, on verra ce que l'Assemblée va accepter ou pas dans les propositions du Sénat. C'est comme ça que les lois sont votées dans notre pays, n'est-ce pas? Et j'espère qu'on arrivera encore une fois à des solutions communes, parce que ça témoignera auprès de l'ensemble de la population, et je pense auprès des jeunes générations, que l'action publique, que la politique, que le débat public peut se faire de façon pacifique, de façon argumentée, et permettre d'arriver à des solutions qui satisfont le maximum de personnes. Alors moi, il y a une autre question que j'aimerais bien vous poser, Guillaume Vuitté, et ça n'est pas sur le séparatisme, c'est sur les discussions à l'Assemblée nationale. Les débats ne sont-ils pas trop codés, finalement, à notre époque? Et puis, deuxièmement, on parle de révolution numérique, de révolution digitale, il faut que les entreprises se digitalisent, etc. Mais il n'y a pas de débat au niveau de la nation sur le fait de notre indépendance numérique, et il n'y en a pas beaucoup non plus au niveau de l'Europe. On voit notre retard. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut changer? C'est un tout petit peu injuste. Je suis désolée. D'une part, parce que dans le fonctionnement même de l'Assemblée nationale, on a quand même beaucoup évolué. Il y a maintenant on peut avoir des participations à distance. Ce qu'on ne peut pas faire à distance, c'est le vote. Mais ça me semble juste, cela. Parce qu'à un moment donné, quand même, quand on exprime une opinion, il faut aussi pouvoir être dans le feu du débat. Mais il y a déjà des avancées tout à fait conséquentes. Bon, j'ai des collègues qui sont plus allants que moi, parce que peut-être plus au fait de peut-être générationnellement, je commence à être un vieux député par rapport à d'autres. D'autres sont plus rompus que moi à ces technologies. Mais on n'a pas de solution innovante. Ce que vous dites par ailleurs sur la souveraineté, c'est une autre question. Je crois que la notion de souveraineté économique et technologique existait déjà avant la crise du Covid, avant la crise sanitaire. Elle prend une dimension toute particulière. Alors évidemment, on a les débats sur la 5G et la maîtrise de cette technologie, et les débats avec l'application de la Chine en la matière. C'est un débat tout à fait qui est pas médiocre, hein, qui mérite d'être mené. Je pense qu'on a peut-être un chemin entre quelque chose de très paranoïaque qui consiste à dire que forcément, si rien n'agit, c'est forcément mauvais, mais enfin, à un moment donné, tout ne peut pas venir que des États-Unis ou même que de l'Europe. On est dans une mondialisation aussi technologique, de ce point de vue. Et puis, il y a le fait de pouvoir maîtriser à tout moment, et ça, c'est plutôt la crise du Covid qui nous l'a indiqué, le fait de ne pas pouvoir, qu'à tout moment, on doit être en mesure de continuer à vivre, même si jamais les transports internationaux connaissent un ralentissement majeur, voire s'arrêtent pendant un temps, ce qui est arrivé quand nous avons eu le début de la crise. Là, il y a des trous dans la raquette, il y a des segments entiers de notre industrie qui ont disparu. Il faut réindustrialiser. Le faire en effet plutôt à l'échelle européenne, parce que on voit bien que c'est quand même plus simple d'avoir un marché de 360 millions d'habitants plutôt que d'être sur des frontières un peu exiguës. Mais on peut le faire au niveau européen. Il faut que nous ayons une forme de... Je me souviens du débat que j'avais eu sur votre antenne avec Sébastien Meurant, qui disait il n'y a pas de souveraineté européenne. Non, il n'y a pas de conscience collective européenne suffisante pour dire qu'on peut passer à une démocratie européenne, qu'on pourrait avoir une démocratie nationale, mais il y a bien en Europe une notion de souveraineté pour défendre ses intérêts par rapport à l'extérieur. Et on a quand même quelques intérêts communs, pas sur tout, mais sur quelques sujets, et en particulier là-dessus, il faut que nous soyons en mesure à l'échelle de l'Union européenne de pouvoir garantir que nous n'aurons pas de discontinuité en termes de production de produits sensibles. C'est vrai sur le plan médical, c'est vrai sur le plan technologique évidemment, que nous ayons une recherche. Prenons le cas des vaccins. On se plaint, on a eu une sorte de petite blessure narcissique sur le fait que c'est pas nous qui avons trouvé les vaccins en premier. La réalité, c'est que c'est déjà monstrueux qu'on ait réussi en un an à trouver tous ces vaccins, hein, quand même, parce qu'on ne se rend pas compte de la rupture de là-dessus. Mais c'est vrai que les États-Unis en particulier ont un fonds dédié, spécial, c'est à peu près la même taille que l'Europe, hein, en termes de nombre d'habitants, on est même un petit peu au-dessus, et ils peuvent mettre du jour au lendemain 3 milliards de dollars auprès des vaccins en disant on vous demande même pas de trouver, on vous demande juste de bosser tout le temps pour vous y atteler. Et à la fin, ça marche. Ces gens d'outils, ce serait bien qu'on puisse commencer à les avoir, parce que c'est ça aussi qui nous permet de garantir. C'est sûr que nous, on est un petit peu lent à la détente, on peut dire, en France. Je pense qu'on peut s'en ressentir à l'échelle européenne, parce qu'il n'y a pas que la France qui était concernée. Il n'y a pas que la France, c'est vrai, mais bon, malheureusement, nous sommes en France. Mais en tout cas, il faut qu'on se dote d'outils complémentaires, et je pense que la volonté du président en la matière, elle est très très nette. Merci Guillaume Vuitté d'être venu ce matin pour nous parler de tous ces sujets qui ne sont pas faciles, je reconnais. Vous êtes bien sûr au bar de l'économie. On fait tout de suite une toute petite pause musicale pour changer de sujet. Après, on va parler électricité.